Bonjour et bienvenue pour une nouvelle astuce. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réparer votre poudre cassée. Alors, ça marche pour toutes les poudres de maquillage, les poudres bronzantes, les poudres de teint, les poudres pour les fards à joues, les poudres en fard à paupières, etc. Toutes les poudres compactes, parfois, on laisse tomber sa poudre par terre, ça se casse comme ça et on pense qu'on ne peut plus l'utiliser. Moi, je vais vous montrer comment le réutiliser et pour ça, on va juste avoir besoin d'un peu d'alcool. Alors, on va commencer par mettre toute la poudre cassée dans un petit récipient. Donc moi, j'ai choisi un récipient en céramique, mais ça peut être un récipient en verre ou n'importe quoi. Hop, je verse tout. Et avec ma cuillère, je vais casser la poudre. Hop, voilà. Une fois que toute la poudre est bien écrasée, je vais prendre l'alcool et le rajouter petit à petit dedans. Donc je vais juste mettre quelques gouttes au début, mélanger. Et on va répéter ça jusqu'à avoir une pâte complètement homogène. Là, j'ai une pâte qui est bien homogène. Donc maintenant, j'ai plus qu'à la transvaser dans son petit compartiment d'origine. Et on va l'étaler au maximum pour qu'elle retrouve sa forme d'origine. J'ai plus qu'à laisser sécher le produit pendant 24 heures. Ça va permettre à l'alcool de s'évaporer. Et du coup, on va retrouver l'aspect de poudre vraiment compacte qui sera comme à l'origine. Donc plus on va lisser le produit, évidemment, plus ce sera joli. Mais bon, c'est vrai que c'est pas évident. Et voilà, j'ai sauvé mon produit. À bientôt pour une nouvelle astuce. Cette vidéo vous a plu? Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de nos astuces. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, Facebook ou Instagram ou nous retrouver directement sur le site de Pratix.